C'est dans un bar que j'ai rencontré Roi Fou. Il était seul, à écouter les histoires décomplexées des gens bourrés qui venaient les lui raconter. Mais ce soir, c'est aussi lui qui raconta la sienne, et j'étais celle qui l'écoutait. Il m'a retracé toute sa vie, de ses débuts de podcasteur à son passage au sketch, à la websérie et même au long-métrage. Il avait tout fait, il avait tout pour lui. Il avait conquis le public, conquis la critique, mais il ne voulait pas s'arrêter, il ne pouvait pas s'arrêter. Je l'ai donc suivi pour ne plus m'arrêter avec lui. Car il m'a fait comprendre qu'en ce monde difficile, il faut toujours savoir rire et voir le positif en toute chose. Bien qu'il le dit impossible dans l'une de ses plus célèbres vidéos, l'amitié fille-garçon demeura depuis entre nous. Même s'il était à mes yeux plus un mentor qu'un ami. Nous nous demandions qui pouvait bien vouloir nous enlever. Un hater? Un kidnappeur? Qui lancerait une campagne de crowdfunding pour financer la rançon par les internautes? Une agence de pub? Un fan qui restait dans les messages non lus? Le roi fou! Le seul, hein? L'unique. Salut les princes et les princesses. Tu te souviens de ça? Moi je m'en souviens. Ah ouais. J'étais ici. Dans cette piole de merde. Et puis bah mon père, comme c'était le chef du clan, il m'interdisait de sortir de ce trou à rats, tu vois. Parce qu'il avait peur que les flics me chopent et m'envoient à la DAS. Ou qu'un autre chef de clan me bute si je sortais de sa forteresse. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un adolescent et qu'on peut pas sortir? Hein? Ben on passe sa vie sur Internet. Et c'était qui, le roi à l'époque? Roi fou. Je découvrais le monde à travers ces vidéos. Je découvrais ce que c'était que la vraie vie d'un jeune homme normal. Avec ses tracas, avec ses passions, ses envies. C'était génial. Et puis, j'ai eu 16 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans et qu'on est enfermé? Hein? Eh ben on fugue! Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu, mon roi fou? Tu m'avais menti? C'est pas du tout comme t'as dit dans tes vidéos, putain! Les nanas, c'est pas des top modèles! Pratiquement personne n'est drôle. Personne! Les gens sont moroses, tristes! Tout le monde se déteste. Tout le monde pense qu'au fric. C'est pas bien le fric, hein? Tout le monde se bute. La politique? Oh là là, non. On va pas en parler, hein? On va faire comme dans tes vidéos. Et puis, voilà, ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai fait ma fugue. Et là? Mon père se fait buter! Ça fout un choc, hein! Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand son père se fait buter? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pense au fric et on se tire! Ah ouais, j'ai voyagé, putain, je suis allé dans tous les endroits, tu sais, que tu décrivais dans tes vlogs. Je me suis tapé des putes, tu vois, pour sortir de la friendzone. J'ai fait des fêtes de dingue! Et puis là, d'un seul coup... La réalité, dis donc, qui revient comme ça, comme une tumeur. Parce que ce que j'avais pas compris, c'est que quand tu tires avec l'argent de ton père, tu deviens ton père. Alors j'ai fait le boulot. J'ai appris à négocier. J'ai appris à faire peur. J'ai même appris à tuer. Ça, je le fais bien maintenant. Tiens, une idée que t'as pas faite dans tes vidéos. Un tuto sur comment égorger un mec sans se salir. Parce que j'ai perdu un costard à cause de toi. Ça m'aurait bien aidé, tu vois. Mais bon, ça c'est pas grave, je peux m'en acheter plein. Et pourtant, tu vois, ça fait 20 ans que je dirige cette ville. Et pourtant, je suis déçu. Pourquoi je suis déçu, putain?
Hein? Pourquoi je suis déçu? Alors j'étais là comme ça, ça ruminait dans ma tête. Et puis là, d'un seul coup, ping! Mais c'est Roi Fou. Ben oui. C'est à cause de lui, tout ça. À cause de tous les rêves qu'il a mis dans ma tête. Alors avant que je te bute... Non, non. Oh, t'as... Ouais, alors, mes amis ici présents t'ont ramené ton ordinateur portable. Ouais, je me suis dit, je sais pas, avant de te buter, j'aimerais bien, en fait, que tu remontes la vidéo pour faire la cuisine. Parce que tu vois, le grand fan que j'étais à l'époque, je sais pas, j'étais un petit peu déçu, je trouvais que ça manquait de rythme, que la fin, elle était un petit peu approximative. Je sais pas, avant, tu mettais vachement de précision dans le montage, tu vois, tu restais précis sur les émotions de chacun, etc. Et puis là, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Tu veux bien faire ça pour ton fan numéro 1? Hein? Allez, termine cette merde. Et puis après, je te désabonne de la vie. Viens, Roi Fou. De toute façon, ces gens ne feront qu'attendre une chute.